Shalom, shalom fidèle, téléspectateur de l'émission « Temps des prières agressives » avec votre humble serviteur, l'homme de la continuité des actes des apôtres, le pasteur Kalala, homme de Dieu. Que l'Éternel des armées vous bénisse et qui vous bénisse richement. À la présentation de cette émission, c'est votre humble serviteur, l'homme de la continuité des actes des apôtres, le pasteur Kalala, votre humble serviteur. Encore une fois, recevez nos chaleureuses salutations ainsi que toutes nos bénédictions en Christ Jésus. Vous voulez contacter le pasteur, il répond au plus 1-331-262-4903. Nous répétons pour une meilleure audition, votre humble serviteur, l'homme de Dieu, répond au plus 1-331-262-4903. Soyez donc bénis, les frères et les sœurs, recevez la grâce, recevez la bénédiction en Christ Jésus de Nazareth. Vous nous suivez depuis l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, l'Amérique. Daigne le Dieu qui je sers vous bénir et qui vous bénisse richement. Je répète, que le Dieu Tout-Puissant vous localise, qui vous arrose et qui vous bénisse abondamment. On est là pour pratiquement une heure et demie dans la présence du Seigneur. Que l'Éternel des armées soit béni, lui le maître des temps, mais aussi le maître des circonstances. Donc, vous qui êtes déjà connecté, je vous prierai de bien vouloir partager. Permettez à un frère, permettez à une sœur d'être branché, scotché pour participer aussi à ces moments des prières quotidiens, les prières de tous les jours, un temps de prière et d'édification par les enseignements, par les exhortations. Allez, vous connaissez notre règle du jeu. Une fois connecté, vous mettez à partager la vidéo, vous mettez à cliquer sur j'aime, vous partagez sur votre journal, bien sur votre mur. Vous pouvez également partager la vidéo dans différents groupes auxquels vous êtes abonné. Multipliez donc les partages, partagez. Permettez à un frère, à une sœur d'être branché et scotché. Soyez donc bénis, vous qui le faites, que le Dieu Tout-Puissant vous visite, qu'il vous localise, qu'il vous arrose au nom précieux, merveilleux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois, soyez bénis les papas, soyez bénis les mamans, soyez bénis les frères et les sœurs. Merci beaucoup pour votre présence, merci pour votre fidélité à nos différents programmes. Daigne l'Éternel notre Dieu vous arroser, daigne le Dieu Tout-Puissant vous localiser, vous qui le faites, c'est-à-dire vous êtes gagneur d'âme, vous êtes, n'est-ce pas, coéquipier du Seigneur Jésus. Ensemble, vous gagnez, nous gagnons avec vous les âmes pour la gloire du Très-Haut. Donc, soyez bénis. Merci à vous tous pour cette opération. Que le Dieu Très-Haut vous arrose et qu'il vous localise. Nous allons élever nos voix pour dire à Dieu merci. On lui dit merci pour le souffle de vie. On lui dit merci pour l'être, le mouvement et la respiration. On lui dit merci pour sa bonté. Voilà que mes frères et sœurs, nous sommes là, pratiquement à 23h40, après avoir prêché cet après-midi dans notre deuxième journée de prière sur les conflits familiaux. Dieu nous fait encore grâce de nous rassembler en ces moments des prières agressives avec sous un thème très important et édifiant intitulé « Éternel, communique à mes ennemis un esprit d'égarement ». Vous savez, il y a des gens qui seront tellement dans l'envie de te faire du mal qu'ils vont commettre des erreurs, qui vont devoir les exposer aux yeux de tous. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça notre sujet de prière d'aujourd'hui, que Dieu puisse livrer, n'est-ce pas, tes ennemis et leur communiquer un esprit d'égarement. Tellement tu as envie de tuer quelqu'un, de le détruire, de lui faire du mal, Dieu va te communiquer un envoûtement,
un esprit d'égarement, tu vas commettre des actes pensant que tu es en train de nuire la personne. Or, tu te fais accuser toi-même et tu te fais prendre dans un piège. Et nous allons encore prier que Dieu puisse envoyer un esprit d'égarement à tous ceux qui en veulent en ta vie, à tous ceux qui en veulent aux vies de tes enfants, tous ceux qui en veulent à la vie de ton mari, tous ceux qui en veulent à ton entreprise, tous ceux qui en veulent à tes projets, à ta vision. Et nous autres, nous sommes en train de vivre cela. Dieu, le Dieu tout-puissant et redoutable, est en train de livrer, n'est-ce pas, en spectacle, nos ennemis. S'il y a quelqu'un qui est habitué à voler, que Dieu lui communique encore le vol par excellence. S'il y a quelqu'un qui est habitué à tuer, que Dieu lui pousse encore, il donne l'envie de tuer même en plein midi. Comme ça, tout le monde saura que oui, il y a un voleur maintenant là, dans le secteur. Tout le monde saura que s'il y a mort d'homme ici là, c'est le voleur qui est venu qui a porté ce vent. Que Dieu livre en spectacle les voleurs de ta vie. Que Dieu expose les violeurs. Après, c'est pour ça qu'il n'y a pas violé, le sous-sous m'a casse. Il n'y a pas violé, il n'y a pas général. Qu'on les récupère et qu'on l'accuse. Que Dieu puisse pousser encore la personne qui vient d'escroquer, un esprit d'escroquerie, qu'il aille maintenant même auprès du premier citoyen du pays. Et qu'il se fasse prendre. Que Dieu expose nos ennemis. Ça, c'est la clé de notre service de cette nuit ou de ce matin, tout dépend de l'heure à laquelle vous participez à ce programme des prières. Un esprit de confusion, un esprit d'égarement, un esprit d'erreur, un esprit de trouble et de panique. Bazoalo koso ya koyiba même en plein midi, azo kan seza butu, azo kan deza na moi. Ba kangé la main dans le sac. Comment se fait-il depuis toujours, ce genre de trucs n'ont jamais existé ici? Mais pourquoi seulement maintenant? Ah, que Dieu nous aide. Il est merveilleux, le Dieu d'amour et de bonté. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, partagez encore davantage. Envoyez les liens à quelqu'un. Envoyez les liens dans le groupe. Partagez sur votre page, partagez sur votre journal et cliquez sur les liens partagés sur WhatsApp. Que Dieu soit loué et qu'il soit béni, lui le maître des temps et des circonstances. Un esprit d'égarement dans le camp de nos ennemis. Un esprit d'erreur dans le camp de nos ennemis. Le trouble et l'agitation dans les camps contraires. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Partage. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Nous disons à Dieu merci pour ce moment. On lui dit merci pour ce temps favorable. On lui dit merci pour cette séance parce que tes détracteurs, les sorciers de ta vie seront livrés en spectacle. Ils seront exposés. Aujourd'hui, on va faire des prières et tu auras des résultats. Bien aimé, on témoignera à Dieu que tous ceux qui se faisaient en cachette, que Dieu commence à les exposer. Et bien, mana poisa. Panique. Agitation, trouble et précipitation dans les camps de méchants. Kangé pena bo lobo ko nakatna na sac. Que Dieu livre en spectacle tous ceux qui se sont levés pour détruire ta vie. Retenez bien cette journée, retenez cette live, cette vidéo, retenez, notez. Vous saurez que nous prions un Dieu véritable, le Dieu tout-puissant. Partagez. Élève ta voix et remercie Dieu.
Le souffle de vie est un don de Dieu. La Bible déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous n'allons pas échapper à la règle. C'est pourquoi je t'ai pris, mon frère et ma sœur, d'élever ta voix et de dire à Dieu merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'être, le mouvement. Merci pour la respiration. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous nous rapprochons de ton trône ce matin. Nous voulons te dire merci pour ce moment. Merci pour ce temps favorable. Merci pour l'être, le mouvement et la respiration. Nous t'exaltons, te célébrons et te magnifions, le Dieu aux possibilités illimitées. Nous te magnifions, le rocher des âges. Nous t'exaltons, le ressuscité du troisième jour. Nous t'adorons, l'agneau immolé des dieux. Béni sois-tu, tendre Père. Béni sois-tu, le rocher des âges. Béni sois-tu, le ressuscité du troisième jour, pour ton amour, ta bonté et tes bienfaits. Reçois l'expression de notre gratitude, nous tes fils et tes filles, rassemblés cette nuit, ce matin, dans ta présence, afin d'exprimer notre gratitude. Nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'adorons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous allons implorer la miséricorde du Seigneur. Tu diras à Dieu de te purifier. La Bible déclare, celui qui dit qu'il n'a point péché est un menteur. Mais celui qui reconnaît ses transgressions, les avoue et les délaisse, c'est celui-là qui obtient miséricorde. Okene kolobananzam. Nzambe mawana yo ekitela ma. Miséricorde pe compassion na yo likolo na bomo inangai. Zala nzambe ko purifier robe nanga, ko purifier ba vêtement nanga, ko purifier intellect pe subconscient nanga. Que la miséricorde de Dieu se répande sur toi, que la compassion de Dieu se répande sur toi, que le pardon de Dieu soit ton partage. Élève ta voix et prie. Prions au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut, Dieu de la Bible, le Dieu des esprits, des prophètes. Nous voici devant ton trône de gloire. Nous t'adorons, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous te célébrons, le Dieu aux possibilités illimitées. Béni sois-tu, Shiloh d'Israël. Béni sois-tu, l'agneau de Dieu. Béni sois-tu, le rocher des sages. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'élévation émanant de la profondeur de nos cœurs. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté pour ce temps. Nous te demandons de purifier nos robes. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de rémission de péché. C'est pourquoi je te prie, à travers ce moment de prière, de purifier nos âmes, de purifier nos cœurs, de purifier nos pensées. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le grand Dieu? Tu peux acclamer l'étoile brillante du matin? Tu peux acclamer le rejeton de David? Tu peux acclamer le rocher des âges? Papa, maman, nous allons implorer la puissance du Saint-Esprit. On va dire à l'Esprit de Dieu d'inonder nos âmes. Nous allons dire à l'Esprit de Dieu d'inonder nos âmes. Tu vas dire, cher Saint-Esprit, remplis-moi. Esprit de sainteté, remplis-moi. Et conduis-moi aussi. Conduis-moi, tendre Père. Conduis-moi, le rocher des âges. Conduis-moi, les ressuscités du troisième jour. Conduis-moi, l'étoile brillante du matin. J'aimerais que tu dises à Dieu, le consolateur que tu nous as promis, je te prie de me les transmettre, de me les
communiquer. L'ami fidèle, le bon conseiller. Seigneur, qu'il soit mon partage pendant cette séance de prière. De sorte que mes ennemis soient réellement frappés d'un esprit d'égarement. Ma prière est que tes ennemis ne puissent pas écouter cette prière. Sinon, ils auront beaucoup de réserves à se lancer dans des opérations ces jours-ci. De peur qu'il soit livré en spectacle. Je prie que tes ennemis ne puissent pas entendre la prière de ce matin. Sambela penda voix basse. Bayoka te bayebate. Parce que ils auront entendu cette prière. Je prie que le bon Dieu t'aide. C'est pourquoi je te demande d'implorer le Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, esprit de sagesse, esprit de sainteté. Lève-toi et agis. Esprit de l'Éternel, lève-toi et inonde mon âme. Tu vas demander à l'Esprit du Dieu très haut. Cher Saint-Esprit, remplis-moi. Cher Saint-Esprit, rêvez-moi. Cher Saint-Esprit, inonde mon âme. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin d'être conduit par toi. Pendant ce moment de prière, ne me laisse pas seul. Que je ne prie pas selon la chair, mais que je prie selon toi. Parce que c'est toi qui connais la profondeur de la pensée de Dieu. Tu es le Dieu plein d'amour et de bonté. Remplis mon âme, remplis mon corps et mon esprit. Prions au nom du Seigneur. Alléluia. Cher Saint-Esprit, esprit de sagesse, esprit de sainteté, l'esprit de l'Éternel, nous te désirons maintenant. Rêvez-moi, Seigneur. Conduis-moi, le roi des rois. Que je ne fasse pas une prière selon ma propre chair, mais que je fasse une prière selon toi et conduit par toi. Inonde mon âme, inonde mon cœur et inonde mon esprit. Rêvez-moi de ta gloire, rêvez-moi de ta puissance. Oins-moi d'huile, conduis-moi et guide-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le bon Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Papa, maman, vous qui nous avez rejoints, je vous prie encore de partager comme ceux qui vous ont précédé, d'inviter les amis et les frères. Permettez à quelqu'un d'être branché, scotché, parce qu'on va démarrer avec notre service de prière et d'exhortation. Je rends grâce à Dieu pour les dernières séances de prière qui ont affecté beaucoup de personnes et on a un retour positif. Je rends grâce à Dieu et je bénis tous ceux qui ont partagé la semaine passée, mais aussi qui ont partagé hier. On a eu un résultat positif. Il y a eu des âmes qui ont été affectées, comme affectées par rapport à leur foi. La Bible dit, lorsque même une âme est gagnée au Seigneur, c'est toute une fête qui est organisée au ciel. Je vous bénis, vous qui avez évangélisé en partageant. Que ce Dieu que je prêche se souvienne de vous, au nom de Jésus-Christ. Éternel, communique à mes ennemis un esprit d'égarement. Papa, c'est quoi l'esprit d'égarement? Comme le terme l'indique,
quand nous parlons d'égarement, égarement vient de du verbe égarer, se perdre. Quand quelqu'un se perd, ça veut dire qu'il a commis une erreur grave. Ça veut dire qu'il n'a pas suivi la voie normale, la voie qui devait le conduire vers le résultat escompté. Ça dit que la personne s'est trompée d'adresse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parlant de l'esprit d'égarement, ça veut tout simplement dire que nous parlons d'un esprit d'erreur, mais une erreur grave qui vous enfonce dans un puits et qui vous conduit dans une brousse, dans une forêt. Ça dit que ça vous écarte de la vraie droite, la vraie voie ou bien la voie droite du Seigneur. Quand quelqu'un s'égare, c'est-à-dire que la personne se perd. Il y a de ceux-là qui s'égarent dans des brousses, dans des forêts. Il y a d'autres là qui, au lieu d'aller à l'adresse numéro 10, ils se retrouvent en train d'aller à l'adresse numéro 1000. À travers l'égarement, il y a des gens qui sont rentrés en retard par rapport à leur destinée. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je ne sais pas si toi tu viens pour prier ou bien toi tu viens pour blaguer. Depuis un certain temps, il y a de ceux-là qui, une fois qu'ils voient une personne rentrer dans le live, ils se déconnectent. Je ne sais pas, tu as un courant contre la personne, tu as une phase négative et la personne est positive. Tu viens pour prier ou bien tu viens pour regarder si quelqu'un rentre ou il sort. Tu vois, tu es parti. C'est pitoyable. On prêche, ça rentre, mais tu ne sais pas toujours te repentir. On avait prévenu hier. Tu n'es pas venu pour prier. Vas-y. Laisse-nous prier. On n'a pas besoin de personnes qui viennent pour nous distraire ou des ramassis. Je me souviens encore d'un pasteur, lui, qui chassait les sorciers. On n'a pas besoin des gens comme ça qui font des aventures. On vient pour prier le véritable Dieu, le Dieu très haut, un Dieu plein d'amour. Ça te fait plus de 3-4 mois, tu ne gagnes rien. Sorcier, retire-toi de l'assemblée des saints et va faire ta sorcellerie ailleurs. Tu as quoi avec un frère ou avec une sœur? Chaque fois que la personne commente, toi tu te déconnectes. La personne commente, toi tu te déconnectes. C'est quoi? Il y a quoi même? Je pense que les sorciers n'ont qu'à partir et nous laisser prier en toute quiétude. Nous ici là, nous prêchons l'amour. Je vous avais dit hier que j'ai prié avec des personnes qui étaient aussi dans la sorcellerie. Pas seulement ici, même à l'église. Une personne sorcière qui vient, qui s'est fait prendre pour un enfant de Dieu. Il présente également les dossiers. Papa, moi j'ai des enfants qui ont un problème de travail. Prie pour mes enfants, vraiment rien ne va. J'ai les enfants un problème de mariage. Mais entre-temps, tu sais que c'est la personne elle-même là qui est sorcière. Mais on ne les a pas traités indifféremment. On a prêché la parole et on a prié. On doit prier pour eux. On l'accompagne dans les services. Assigne prière. Mais toutefois, dans la prédication, j'enseigne. J'ai dit, répentez-vous, les papas, à l'esprit de l'autre, répentez-vous. Voilà pourquoi je ne rate plus des personnes qui viennent blaguer. Ma bien-aimée, vérité, polélé. Donc, répands-toi. Comprends que pasteur a timbé là-haut déjà. Il suffit qu'une sœur rentre en ligne, commente, toi tu te déconnectes. Invitez ceux qui ont Kindoki, tous en Abonzambe. Et c'est quel esprit qui t'anime? Est-ce que l'esprit de Dieu ou bien c'est l'esprit de Satan? Mais du moins, nous ici, nous prions avec les pécheurs, avec les saints. Et nous sommes là pour le perfectionnement des saints. Si toi tu penses que quelqu'un est sorcier, quelqu'un est ennemi, quelqu'un est méchant, c'est toi qui le juges. Mais Dieu peut-être, il pourra le sauver même à la dernière minute. Souvenez-vous encore du voleur qui était à côté de Jésus, qui dit,
Seigneur, aujourd'hui, quand tu rentres dans le paradis, aie pitié de moi et souviens-toi de moi. Jésus dit, aujourd'hui même, tu es rentré. Ndekolanga a boma bat. A sala kinde ka rosana te a pasola ba mabuma ba mama na ba djem. Kuluna. Mais à la dernière minute, nous avons sauvé. Qui es-tu pour juger les serviteurs d'autrui? Laissez les justes et les bons venir. Mais quand tu manifestes les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de la haine ici, on te parle de sorte que si tu te sens mal à l'aise, tu t'en vas. Parce que nous avons besoin de la prière et non de la distraction et de chercher à nuire aux autres. Merci beaucoup. Je pense que tu as compris parce que toi, tu sais que c'est toi qui fais ça tous les jours. Tu as compris. Nous passons directement à notre sujet de ce soir ou de cette nuit. Éternel, communique à mes ennemis un esprit d'égarement. Babunga, qu'ils commettent des erreurs, qu'ils perdent la voix et qu'ils perdent la raison. Toko sambe la lelo ko senga na nzambe, pluie à précipitation, c'est-à-dire que précipitation qu'on appelle la pluie, abondante et forte dans les camps de nos ennemis, mais pour les conduire à des erreurs graves. Renard, azo sala diki diki na korobo. Korobo nga seka bonzo rende, mama nerer. Kosekazo sekabou a lâché fromage. Ndekonanga renard a récupéré fromage. Bam! C'est effectivement ça. Que nos ennemis soient surpris. Après avoir commis les actes, comme ça, comprendre que non, oh, pena, maman n'erreur, maman n'a gaffe. Il ne fallait pas tout ça là. Mouke mouke, bah, qui n'a pas commis tes caca, bah, maman. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais on va prier que Dieu nous communique la maîtrise de soi. Le calme et qu'on voit Dieu lui-même défendre la cause de ses fils et de ses filles. Que toute personne qui t'accuse faussement, que Dieu l'expose. Ma prière ce matin est que Dieu livre en spectacle tous ceux qui se sont focalisés, qui se sont rassemblés en groupe, malfaiteurs, sorciers, méchants, jaloux, et qui planifient le calvaire dans le camp des fils et des filles de Dieu, que Dieu les expose. Et je connais ce Dieu que je te prêche, il en a la capacité. Je n'attends pas ton amen. Alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se retrouve dans ce que j'ai dit. S'il y a également des personnes, des ennemis qui seraient en train de monter des cabales mystiques contre toi, que Dieu les expose. Nzamba bimisaba loko la bana mike ba 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 zo bunga nzela eh yo boke wapi eh to zo lukanda kuna biso eh côté nini o to fanda na koto alors azo ke nzela monga fula nzo rende ndako tikel kota ya kimanzeki. C'est comme ça qu'on va récupérer tes ennemis. Dieu va les exposer en spectacle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous avais dit, j'avais déjà 3 exemples de personnes frappées par Dieu. 3 exemples. Souvenez-vous encore, ça fait 3 semaines. Maintenant, c'est la phase nouvelle d'exposition. Zamba livraban. Livraison en spectacle. Je me souviens de l'un de mes pères, le pasteur Kizamina, qui dit toujours, « Si ton Dieu est mort, essaye le mien. » On n'a pas la biche. Bien-aimé, j'aimerais que tu élèves ta voix. Que tu dises à Dieu, « Seigneur, ce matin, je viens t'invoquer, toi l'Éternel des armées. » Toi, le Dieu qui livre en spectacle mes ennemis. Je ne vois pas ton amen. Je ne sais pas, tu es avec moi ou bien tu es à côté. Je ne vois pas ton amen.
Je ne sais pas si tu es avec moi ou bien tu es contre moi. La Bible dit, celui qui est contre nous, celui qui n'est pas avec nous, c'est qu'il est contre nous. Tu élèves ta voix pour dire à Dieu, tendre Père ce matin, que ce thème soit le partage de ma vie. J'ai beaucoup été combattu. Que Dieu te bénisse, maman, qui te visite. Papa, que Dieu t'arrose. J'ai des personnes qui s'élèvent. Des hommes tout comme des femmes. Des ennemis cachés tout comme apparents. Des ennemis internes tout comme externes. Père, ma prière est que tu les exposes. Mais tu ne les exposes pas n'importe comment. À travers l'esprit d'égarement. Avant que je ne développe, j'aimerais que tu prennes 2 bonnes minutes et que tu fasses cette déclaration. À travers cette petite interprétation, introduction, juste la définition seulement, que tu dises à Dieu, Papa, l'égarement dont j'entends parler souvent auprès des hommes de Dieu, que je le vive dans le fief de mes ennemis. Égaré bango penza ma kasi nzambe mon lili et ça la partage à banzela na bango. Ceux qui se croient être intelligents, Seigneur, développe encore intelligence. On est comme le bas savant. On a bas savant, bas comment bas dingi dingi. Nina cité bas comboté. On a ramusu à salé ou à salé application mon robot. Mais t'as la face n'est bien. Alors on a comment qui dingi mon robot. Mais maillé les lekimingi. Ou à créer ce qui n'est inventé ce qui n'est. T'as l'air bien. On a rendu moi. Zobazoba mon robot. Examayel. L'obananzambe. Père, j'ai besoin de vivre ça. Dans le camp de mes ennemis. Excès à ruse, excès à maïele, excès à ma stratégie, excès à kimouibi, excès à kindoki, excès à magie, et à la kanabango. Trouble mes ennemis et frappe-le d'un esprit d'égarement. Prends 2 belles minutes, commence à prophétiser cela. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Avant que je ne développe, fais prends 2 belles minutes et que tu déclares à Dieu, Père éternel, livre mes ennemis en spectacle à travers un esprit d'égarement. Égarement est à la makasi, naka benemi nangai. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, élève ta voix et prions. Tendre Père, nous voici. Nous voici devant ton trône de gloire. Papa, tobelemi libosonayo. Tous nos seigneurs et nzambe na lola. Na quand y a ba ennemi na biso, papa o livré bango. Expose tous ceux qui se liguent contre moi. Tous ceux qui se liguent contre ma femme. Tous ceux qui se liguent contre mon mari. Tous ceux qui se liguent contre mes enfants. Tous ceux qui se liguent contre ma destinée et mes activités, mes études, ma vie, Seigneur et ma vision. Père éternel, tu es le Dieu qui défend la cause des justes. La Bible dit ceci, gardez silence. Et moi, l'Éternel Dieu, je combattrai pour vous. Nako senga na yonzam. O telema. O mimoni sape odon. Merci parce que tu me donnes des signaux et tu as des signaux, des éléments qui vont encore exposer davantage les ennemis de chacun de tes enfants. Reçois la gloire, l'honneur et l'élévation parce que tu vas encore livrer en spectacle nos ennemis. Le piège qu'ils montaient contre tes enfants vont se retourner contre eux-mêmes. Le filet jeté pour nuire tes fils et tes filles vont les rattraper eux-mêmes. Nous te connaissons, un Dieu capable de le faire parce que tu l'as fait plusieurs fois dans la vie de nos aînés, dans la vie des héros dans la foi. Ensemble avec les saints, rassemblés en cette réunion de temps de prière agressive, nous voulons t'acclamer, nous voulons t'acclamer, nous voulons te célébrer et te magnifier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te bénisse. Ah, nous sommes bien.
papa, maman, sambela ranzamba solo à votre côté. Prie un Dieu véritable, il ne t'abandonnera jamais. Prie-lui en esprit, en vérité. Ce Dieu sera toujours de ton côté. Bien-aimé dans le Seigneur, un roi chapitre 22, versets 18 à 22. On nous parle de la mort d'Akab. Akab s'est levé en ennemi d'un innocent. Yaya, papa, maman, est-ce que tu peux bien regarder ce monde? Tous les hommes et toutes les femmes qui vivent sur cette terre ne se ressemblent pas. Est-ce que je peux parler encore à quelqu'un ce matin? Sorcier, écoutez-moi. Braqueur, voleur, assassin, écoutez. Tous les hommes qui vivent sur cette terre ne sont pas les mêmes, ne sont pas pareils. Et ça là-bas, oyo. Ba sa pouyara na ba kisi na bango. Eza na ba oyo ba mi kanga na ba protection mystique pe magique. Eza na ba oyo pe bazara nu. C'est-à-dire des personnes qui sont exposées, qui sont nues sans aucune protection, ni spirituelle que physique. Tandis qu'il y a aussi ceux et celles qui sont protégés par Dieu, qui sont une propriété privée de Dieu. Quelqu'un peut murmurer et me dire, pasteur, tout le monde est protégé par Dieu. Oui et non. La protection divine diffère d'une personne à une autre par rapport à l'alliance que la personne a vis-à-vis de son Dieu. Est-ce que je peux répéter? C'est pourquoi mon frère et ma soeur, komitikate, comme ko sapete ya ko kota na conflit na batu misusu, bien que bino tout bo simba la Bible, bien que bino tout bo zalara ba chrétien. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ce genre de trucs, entre autres ton père spirituel, ton pasteur et ton mentor. Ke bana batuan azala mukuse azala muke. Qu'il soit grand ou petit, pauvre ou riche, faites attention. Que tu aies raison ou tort, faites attention. C'est de personnes spéciales. Hier, je vous ai donné un exemple d'Abraham. Abraham arrive en Égypte, il commet une erreur grave. Il vend sa femme. À Kossi, c'est lui le menteur. Pharaon récupère la femme, commence à coucher avec elle. Mais la nuit, quand Dieu vient avec une épée, ce n'est pas la tête d'Abraham que Dieu va couper, mais il va menacer l'innocent à la personne de Pharaon. Veux-tu que je te tue? Allez, rends la femme d'autrui. La femme de qui? De mon serviteur. Hein? Nous rendons des serviteurs en disant et pas à la menteur. Voilà que le prophète Abraham, dans le vécu quotidien comme ça, c'est un menteur. C'est lui qui a escroqué, c'est lui qui a vendu, c'est lui qui est un usurpateur. Mais Dieu l'appelle mon serviteur. Je ne suis pas en train d'encourager les pasteurs, aventuriers, voleurs, tout ça. Je te parle seulement des doses d'affinité, d'affection des dieux vis-à-vis de ses enfants. Je ferme cette parenthèse. Pas une fois, mais deux fois. Abraham va encore faire la même chose. Dieu menace le général qui avait tenté de récupérer sa femme, du moins lui, n'avait pas touché à Sarah. Dieu l'a menacé avant qu'il ne puisse coucher avec Sarah. Et écoutez le langage de Dieu.
mon serviteur. Comme pour dire, faites attention quand vous vous engagez dans un combat contre un ou un des dieux, un serviteur de Dieu. Surtout s'il est en alliance, il a un appel authentique. Ami, comme ça, il ne s'est pas improvisé prophète, pasteur, évangéliste, docteur, messager de la bonne nouvelle. Mais c'est Dieu qui l'a appelé et qui l'a établi. Faites très attention. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mes frères et sœurs, partagez. Souvenez-vous de Moïse. Oint de l'Éternel, prophète de Dieu. De par sa bouche, le message de repentance et de sanctification sort. Dieu lui recommande, parle à Israël, tire-leur les oreilles et dis-leur de ne pas épouser ni de coucher avec des femmes étrangères. Quelques jours après, la même bouche qui a parlé, on la surprend ou on la suspecte. On ne l'a pas suspecté, mais c'était une réalité. Le même Moïse, serviteur de Dieu, est en train de mener une vie, une relation amoureuse avec une Égyptienne, une Éthiopienne plutôt, qui est une étrangère. Et ma femme nilotique, la bonne a recommandé les noms. Femme nilotique, femme acoustique. Moïse à Kokate, à Tchola. Myriam et Aaron s'élèvent, commencent à parler en mal de loin de Dieu. Vous connaissez le sort de Myriam? La Bible dit, Dieu l'a frappée. Dieu la frappa d'une lèpre blanche. À lapin, à zoapena, maman a lèpre. Lequel devrait être châtié? Est-ce Myriam ou bien c'est Moïse? D'après moi, si moi j'étais à la place de Dieu, je châtierais Moïse qui était une occasion de chute, une pierre d'achoppement. Je suis en train de vous donner ces exemples pour vous dire qu'il faut faire attention. Tout le monde sur cette terre ne se ressemble pas. Élisée et Élie tous priaient et servaient Dieu ensemble. Mais ils n'avaient pas une même capacité. Élisée regarde comme ça, il voit les soldats, plutôt les soldats, mais derrière lui, il voit les anges de l'Éternel, qui n'étaient pas de l'utopie, mais une réalité. Tandis que Géasi est là, ses yeux ne voient que des soldats syriens, mais derrière, il ne voit pas les anges. Kebana papa mon limonayo. Voilà pourquoi nous autres, papa yo salaba dégâts, aïko finga, salima bien aimé, on ne va pas se lever pour le combattre. Au fond, on a un thème, au sambeli ponayo, au sambeli ponayo. Si tu as l'occasion, tu le trouves et tu lui parles poliment et tu t'effaces. Conseil gratuit, la banze yokani. Si tu as un conflit avec ton père spirituel, répare. Même si tu ne vas plus prier là-bas, va réparer. Premier exemple. Je suis en train de parler des choses vraies parce qu'on va prier. Je veux qu'on prie bien. C'est pourquoi je ne suis pas pressé. Vous voyez, quand on a nos pompes, prier. J'aime bien expliquer les choses comme ça. Tu pries, tu comprends. Même quand tu vas commencer à prier toi-même, au kambavina, il y a un polena aliment. Par rapport à la parole de Dieu. Quelqu'un me dira, pasteur, je deviens trop anglophone, ben, lingalophone. Bien-aimé Seigneur, il y a des moments où l'onction nous emporte comme ça. Excusez-nous pour ça. Frères et sœurs en Christ, écoutez. En dehors de cette catégorie de personnes, il y a encore des gens qu'on appelle les orphelins et les veuves sur cette terre. Retiens bien ces choses. Pour dire la vie, elle est faite de limites. Il y a des bornes. Là où ta liberté s'arrête et là où elle commence.
C'est des choses que nous devons savoir. C'est pourquoi nous autres, nous allons se plaindre, nous allons se plaindre. Tu ne te vois pas en train de citer le nom de quelqu'un. Je connais là où ma liberté s'arrête. Tu ne me verras pas prendre mes pieds aller dans la maison de quelqu'un. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, orphelins, amuninga noté, n'avez-vous mon arrière, au saranate. Regardez combien un roi, en la personne du roi Akab, lui qui était fort et puissant, il a régné, il a fait le beau temps. Mais regardez sa chute, sa ruine et sa fin. Qui a précipité la fin d'un grand roi comme Akab? Ce n'était pas un oint de l'Éternel, ce n'était pas un prophète. Un simple orphelin à la personne de Naboth. Ne juge pas les gens selon les apparences physiques, selon les rangs sociaux, selon leurs moyens matériels ou financiers, selon leur niveau d'études, selon des relations qu'ils peuvent avoir sur cette terre, selon leur capacité de comprendre des réalités et leurs droits ou pas. Mes frères et sœurs, faites attention aux personnes qui sont en alliance avec Dieu, d'une manière ou d'une autre, parmi lesquelles les orphelins et les veuves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un puissant roi comme Akab, mais Dieu va se décider de pactiser avec les démons. Nous allons convoquer réunion satanique. À l'époque de Job, ce n'était pas une convocation des démons, c'était une convocation angélique à laquelle Satan est venu frauder. Mais quand il faut tuer Akab, Dieu convoque une réunion à laquelle il fait appel aux démons. Azibina ba ange pour faire dans nos panzi. Ba démon boya abnonyos. Des ba démon ba yé. Bien-aimé, quel protocole d'accord? Quelle dimension de mobilisation où Dieu se décide de faire appel aux démons pour qu'ils puissent l'aider? Lisez ça dans 1 Roi chapitre 12, verset 1 Roi 22, 12, 18 à 22. Il convoque une assemblée des démons. Le Dieu souverain, c'est le Dieu que nous servons, le Dieu en qui nous avons cru. Ndeko fouye bara nzambe, oye bara nenga operaka. Pour ma peine de prier. Les démons arrivent. Il leur dit, j'ai décidé, moi, de tuer Akab. Akab, c'est qui? C'est un roi. Ça veut dire que nous avons la garde du corps. 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 Atangi Samakila, il tue sans regarder. Il a beaucoup tué plus que toi. Mais Dieu se décide de convoquer même les démons. Il dit, il faut que je les tue aujourd'hui. Bien-aimé, Luka bitumana mutu mena nzambete. Il y a des personnes au talier boyé au moni mutu pamba, mais ils pèsent beaucoup devant les trônes de Dieu. Faites attention aux fils et aux filles de Dieu qui ne sont ni prophètes, ni apôtres, ni évangélistes, ni docteurs. Mais qui ont développé une certaine intimité avec Dieu. Surtout ceux qui ont l'habitude de dresser des autels. C'est également une autre catégorie. À l'instar de Tabitha Dorcas, à l'instar de Marie, la sœur de Lazare, Kebana Batoba a développé intimité dans Nzambé par des autels, des holocaustes et l'autel des parfums. Ceux qui savent équilibrer ces deux autels dans leur vie
il faut faire très attention. Mon égasser, mon roubou, azarani protocole, azarani chantre, ni diaconesse, ni nani. Mais a timbé la vie des craintes de Dieu. C'est-à-dire qu'il est posé dans la sanctification, dans l'adoration, dans la prière, dans des jeûnes et sacrifices. Mais il est également forte, ou il est fort, en termes de sacrifices, des autels, des offrandes et des libéralités. C'est des personnes auxquelles il faut faire très attention. Coco, tu habites mal à m'attendre, moi, l'été. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y en a plusieurs. Je peux encore te parler des étrangers. Mon païa. La Bible dit, à cause d'eux, certains ont reçu des anges sans pour autant s'en rendre compte. Une femme a été classée sous la liste de héros dans la foi. C'est pas parce qu'elle craignait Dieu ou bien elle avait opéré un miracle et le paralytique a marché. Parce qu'elle avait accordé de l'importance, elle avait été hospitalière. Hospitalière vis-à-vis des espions envoyés par Dieu. Et dans les livres d'Hébreux chapitre 13, là on parle des héros dans la foi. On nous parle de cette femme en la personne de Rahab. Et ce qui m'a souvent blessé, ça me faisait un peu mal auparavant. Je n'avais pas le courage et l'envie de lire cela. Quand on précisait, et Rahab la prostituée. Ah! Moi c'est Ndumba. La combo Rahab, mais à un modèle à Kalala. Modèle Nana Mbrundima. C'est fort. Maman, Rahab a modèle Nayo. C'est Dieu qui nous a imposé ça. Olingo lingataza modèle Yaya. Fondim. C'est pourquoi il ne faut pas juger les gens selon les apparences. Tu ne connais pas l'intimité de la personne, tu ne connais pas son alliance avec Dieu, tu ne connais pas la dose de sa relation profonde et parfaite avec Dieu. Keba yaya, koko tabitu mabikote late. Et quand aujourd'hui on va prier pour dire à Dieu Yahweh, quand tu sais la nga bango trouble mon lili, on connaît là, on a posé nos pieds. Ah, kote na tchama kolo nga na ebi. Ni na nzamba pongo, ni na kindoki, ni na kis, ni na magie. Les deux pieds en Christ et Jésus. Je connais ce Dieu. Et je lui rends grâce. Parce qu'il est en train déjà. Il m'a précité. Il m'a précédé. Avant, il ressemble déjà. Il y a un peu de pressé. Il a précédé. Il y a un trouble. Il y a un peu de trouble. La Bible dit. On doit aller rapidement déjà parce que Hermero, Kimambang, on a beaucoup à prier. On doit prier aujourd'hui. Vraiment, on va prier. On va prier. Donnez-moi encore quelques partages des papas, les mamans. Donnez-moi encore quelques partages. Eric Narambang. Parce que la paix, au TND, belé. Papa, prière, ils ont ok. Tout ça, prière, tout diminuer au mais mon souci, c'est que tu comprennes. Parce que, comme une vie dans mon kilo, n'attaque personne, ne cherche pas à combattre n'importe qui. Tous les hommes que tu vois là dans la vie, ils ne se ressemblent pas. Toutes les femmes que tu vois là, elles ne sont pas les mêmes. Voilà qu'une maman, à la personne de Mariam ou Myriam, va et ouvrir sa bouche pour commencer à traiter les dossiers d'un certain homme de Dieu qu'on appelle Moïse. Ne sachant pas le niveau d'intimité de Moïse avec Dieu. La Bible dit, ils étaient en train de critiquer à deux. Mais une est frappée de lèpre. Deux intimités ne sont pas. L'autre n'est pas frappée. On l'appelle Aaron. Kébisi Aaron, mais Myriam va frapper la lèpre. Ah Seigneur. C'est là où j'étais en train de vous dire, malgré nous portons tous les Bibles, mais on n'a pas le même niveau de consécration. Et je pense que mon papa, apôtre Tambouloko, qui ne va pas me contredire, parce qu'il est spécialiste en démonstration de puissance. Ouano pasteur, mais soit bien Kango Mabondeli,
akanga yo penda ba singa zuka mbanzalo mbanzia mbanzia ninyo ebi mbanzo ase la saint glace soa zwa ngwe pain azu singa bani ko kanga bit kande na zo kanga singo vineza ko kanga ministère naeza ko kanga retourner bien-aimé tu n'iras nulle part. Donc il y a des personnes qui sont dans une dimension avancée d'intimité avec l'Éternel. Je ne suis pas en train de t'effrayer, mais seulement je te tire des oreilles parce que tu risques de tomber sur un mauvais chemin, un mauvais domaine, sur un mauvais élément. Quelqu'un qui a vraiment un niveau beaucoup plus avancé d'intimité avec Dieu. Et ça ne se mesure pas sur base des moyens matériels ni financiers. Voilà qu'un grand roi, avec beaucoup d'armes, avec une armée de sécurité, avec tous les moyens nécessaires de nuisance, va tomber face à un petit orphelin sans armée. Il le tue, mais lui n'a pas vécu longtemps. Regardez avec quelle puissance et pression Jésus intervient pour défendre la cause de la veuve de Naïm. Babia tandaka kalobo ko likolo na cercueil. Bato ba memaki mwana ya veuve. Ndeko nanga maboko paralysé. Jésus n'a pas dit mot. Ka etie la loboko atie kaka nge. Bato mitike ba ngomoko cercueil ba sondola ba kenda. J'ai beaucoup insisté sur la dimension d'intégrité, plutôt de communion et d'alliance de l'un ou de l'autre. À bon entendeur, salut. Au pasteur, quand la terre a quitté, yango naza roteya. Keba na bitumbola tumbola. Keba na ba problème zoye ndo luka na bato. Keba na bitonga tonga. Keba na kobundisa bundisa. Keba, on a loba kite. Ne regardez pas les gens selon les apparences. Ah, que Dieu nous aide. Ne combattez pas les gens parce que j'ai entendu, on a dit. Tu avais vu? Faites attention. Tu seras induit en erreur pour rien. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà que Akab va convoiter la vigne de Naboth. Ah, Akab anga nazek nemoi bien. Ah, il était pour lui conscient, quelque part. Il convoite la vigne de Naboth, un orphelin de rien du tout. Naboth va répliquer en disant, roi, vis éternellement. Oumela na yo roi. Si cette vigne m'appartenait, je te l'offrais sans hésitation. Tu es quand même le roi, tu es le numéro un du royaume. Mais une chose est vraie, elle ne m'appartient pas, en privé en particulier, c'est un héritage familial. Or, tu es censé connaître la loi en tant que premier citoyen, tu es censé également la mettre en application. Comment veux-tu me mettre dans un trouble? Elle quoi bat mon bozo ya, ba ma tia passer la nakata ba trouble. To yibe ba document na ye, ya ba mikanda ni ba misala, comme ça to tia na kata ba trouble ndeko na mawa, mawa. O kitete na ba niveau yo. C'est pitoyable. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez. Naboth réclame. Il dit, roi, je peux vouloir te donner la vigne, mais il y a la loi de ce pays, de ton royaume. La loi qui dit ceci, l'héritage familial, on ne les vend pas. On ne les vend pas. Je n'ai pas le pouvoir, ni la capacité, les droits de vendre un héritage de famille. C'est un monument, Etikalak. C'est pourquoi vous avez suivi la discussion ou l'entretien entre Jésus et la femme samaritaine. La femme samaritaine est en train de venger, de vanter son grand-père.
mais il ne l'appelle pas mon père. Elle dit quoi? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a laissé ses puits? Les puits de Jacob. Libouluya Kala. Jacob a Timbola, particulièrement comme héritage. Bakaba et Angote, ils ont gardé ça jalousement. Voilà que quelques générations après, la femme samaritaine, elle dit ceci. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a laissé ses puits? Vous comprendrez. Donc, héritage. Le roi, le sachant, il a gardé son calme. Il a dit, oui, j'ai compris. Mais vraiment, je brûle d'envie d'en avoir. Mais comme c'est la loi, j'observe aussi la loi. Le roi est rentré en pleurant. Parce qu'il savait qu'il avait des bornes, il avait des limites. Yaya, ma limite, il faisait la grande vie. Que balabamba, ozo zwa oyo. Kizunguzung ya mvutuma. Aucun de trop pressé. Tu vas trop vite. Et malheureusement, la vitesse, ozo kenango, ok, pena terre à ma bémakas, roi kabe. Moi, j'ai un galon avec tous les galons que tu as. Tous les moyens de nuisance que tu as. Mais tu t'engages sur un mauvais terrain. Tu vas combattre une fille de Dieu, un fils de Dieu, qui n'a aucun problème avec toi, qui ne te connaît pas. Qui a ses mains pures, comme Joseph. Ralenti. Soit fais demi-tour et arrête, encore une fois de plus. Bien-aimé, la Bible dit le roi est rentré, mécontent, mais quand même, il a respecté ses limites. Akab s'enferme dans sa chambre, je ne sais pas s'il pleurait, avec les yeux enflés, il n'est pas sorti. Et la dame de fer en la personne de Jézabel. Mes frères et sœurs, Jézabel était là. Elle était sortie. Et quand elle revient, Jézabel fait sa rentrée. Coco, coco, chérie, tu es là. Chérie, le gros bébé était en train de sangloter. Oui, je suis là. Oh, il y a quoi? Il y a des ici ou comment? Quelqu'un décédé dans la famille? Non, 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 tout va bien. Oh, dis-moi la vérité, bébé. Il y a quoi? Bien-aimé, le gros bébé a fini par ouvrir sa bouche et lui raconter ou raconter à sa femme tout ce qui s'était passé en réalité. Que l'Éternel, mon Dieu, te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. La Bible dit, le roi va dire la vérité à sa femme. À ton absence, moi j'ai été voir le petit qu'on appelle Naboth. Il a une vigne exceptionnelle. Et cette vigne m'a tellement plu que je n'ai pas résisté. Je lui ai demandé de me la rendre. Mais malheureusement, il a refusé. Il a refusé, oui. Maman, papa, mon frère, sors-moi bandi likam. Depuis que tu as commencé, ça ne fait qu'échouer. Ça ne fait qu'échouer. Ça ne fait qu'échouer. Dieu t'aime. Abandonne avec ce que tu fais. Comprends que tu es dans une mauvaise direction, frère. Quitte ce groupe-là, des assassins. Quitte. Depuis que tu as commencé là, tu vois pas que partout tu veux faire ça, ça coince. Tu veux aller comme ça là, tu es détecté. Tu veux faire comme ça là, ça ne marche pas. Comprends que c'est le temps pour toi de quitter. Ça va mal finir, ça va tourner mal contre toi. Frères et sœurs en Christ, le roi avait déjà refusé. Il est rentré en pleurant.
Il a accepté de perdre la fortune, de perdre les richesses, de perdre ce qu'on lui a promis comme enveloppe. Mais du moins, que je respecte la loi de Dieu et la loi du pays. Ah, Jézabel va venir. Fais attention, mauvais conseiller, qui te pousse dans des mauvaises voies. C'est Jézabel qui vient allumer le feu. Oh, comment tu peux pleurer comme ça dans ton propre royaume? Il faut qu'on le démontre. Ça, c'est un petit esclave. C'est un petit monsieur. C'est une petite dame. Elle ne s'y connaît pas. On peut nuire. On peut la faire tout ce qu'on veut. Bien-aimé, il y a un être suprême au ciel qui gère les fils et les filles de Dieu sur cette terre. Il y a un être tout-puissant qui a les yeux braqués sur chacun et chacune de ses filles et chacun de ses fils ici sur cette terre. C'est là où je viens avec assurance pour vous dire, faites confiance en ce Dieu que nous prions, un Dieu qui défend la cause des fils et des filles de Dieu, qui défend la cause de ses fils et de ses filles dans tous les domaines de la vie. Il y en a un domaine où nous avons battu la rate, il les protège. Peu importe la forme que vous avez et les conditions que vous traversez. Je me souviens de Paul qui était amené comme un prisonnier. La Bible dit, avant qu'il ne parte, le prisonnier Paul reçoit une parole de connaissance. J'aimerais que quelqu'un dise, je suis prisonnier, mais un prisonnier différent des autres. Je suis pauvre, mais un pauvre différent des autres. Je suis célibataire, mais un célibataire différent des autres. Paul est en train de leur avertir. Il dit, attention, je vois que la route n'est pas bonne. Bataille prisonnier, pam pam, mazo banga, ote tozo me mabino. Toi qui le zoom, allez, matakoula. Il les avait prévenus. Parce que c'était un prophète de l'Éternel. Mais la Bible dit, quand ils sont arrivés en plein île de Chypre, quand le prophète a sakola qui kokisa maté et kokisa. Agitation. Le navire commença à faire naufrage. Secousse, le vent, la tempête, etc. Tous tremblaient. C'est le même esclave, le même prisonnier qui va recevoir la visitation de l'ange. Et il ouvre la bouche pour parler, afin d'apaiser les cœurs des uns des autres. L'ange du royaume auquel j'appartiens et le Dieu que je sers a envoyé son ange, m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, personne d'entre vous ne mourra. Est-ce que vous comprenez? Il y a un azobanayou. Il y a une tendance à minimiser la prière aux heures au salle. Comme la tendance à redouter alliance non en Zambé, parce que je n'ai pas l'argent, parce que je n'ai pas de moyens, parce que je ne suis pas marié, parce que Dieu ne m'a pas donné des enfants, parce que je n'ai pas un travail, parce que je n'ai pas de finances, parce que je n'ai pas de beaux véhicules, parce que je n'ai pas de villa et les autres ont construit, je n'ai pas encore construit. Mon frère, je t'ai dit que tout ça, ça ne veut rien dire face devant l'intimité et l'alliance que Dieu t'a accordé d'être son fils, sa fille, son serviteur, sa servante. Connais-toi toi-même, comme disait un philosophe. Bien-aimé, on revient à Naboth et puis on va prier. La Bible dit, sa femme va convaincre le mari. Il dit, demain, il faut que tu ailles récupérer et confisquer. Neuronara a dépassé limite. Au côté nanda ko nganga bima mobimba nalo banayo nanda ko nganga koti obimo bimbate jamais au côté nanda ko nganga yibie loko obima mobimba jamais. C'est des choses que tu dois comprendre en tant que fils et fille de Dieu. Qui rentre chez toi spirituellement tout comme physiquement et dérobe quelque chose, toi fils de Dieu, et il reste en paix? Jamais. Le banzamba koufa. Quand zamoto sambelo, esprit d'égaré, mais de la tabac. La Bible dit, le lendemain matin,
sous l'influence de la reine Jézabel, sous le coaching de la dame de fer, le mari-femme en pantalon, roi de son état malheureusement, va se livrer à se décider, puis accueillir. Il va mettre la main sur Naboth, les petits orphelins, et il va les tuer. Atumboli Banzoi, Yaya. Le Dieu suprême, le Dieu tout-puissant s'élève. Il arrête les conseils. Il n'est pas venu comme à l'époque d'Abel et de Caïn. Il dit maintenant là, je dois précipiter la mort. Parce qu'il a violé des territoires. Je dois précipiter la mort de ce monsieur qui se prend pour Dieu. Lisez bien la Bible dans 1 Roi 18-22. Je dois précipiter. On comprend de tes bateaux. Tout bas en bonne santé. Rayon balmo. Ouah! Corona ya kindoki. Ya mon limo. Et même yon bang 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 bang. Ok. On comprend de tes paralysies. Ka mbala kata. Chaise roulante. Comme on tambou la na. Le cola qui kata. Je ne suis pas en train de me manquer de ceux qui sont comme ça. Certains c'est par accident, mais il y a eu un mauvais sort. Au comprendre Tembalamoko, l'appareil est soit éteint, soit hors de la zone de couverture. Tu es allé coucher avec la femme de qui? Ah, moi, you m'a mouroboué. Relax, ça y est. Ah, yaya. Bien aimé, la Bible dit. Akab a tué Naboth, il va récupérer la vigne. Après avoir récupéré la vigne, Jézabel est dans la joie. Fête bandit. Fête comme ici les la teyaya. J'annonce à quelqu'un, ceux qui t'ont ravi des choses, ils t'ont ravi ton étoile, ils t'ont volé des trucs dans la vie, ils ont gâché ta destinée, ils ont gâché, volé ta réputation. Ils t'ont ravi la vigne, ton héritage. Ils ne resteront pas tranquilles. Le jugement de Dieu va tomber sur eux. Et quand Dieu se décide d'effectuer le jugement et de trancher l'affaire, il n'a pas opéré n'importe comment. Il a opéré en communiquant un esprit d'égarement dans le fief de l'ennemi et son fils Naboth. La Bible dit un bon matin, le roi Akab, il ressent de temps de lui une ferme conviction d'aller en guerre contre Ramoth. C'est comme ça que l'esprit d'erreur et l'esprit d'égarement opèrent. Quand Dieu se décide tellement, tu as tellement livré les fils de Dieu et les filles de Dieu, tu as tellement abusé, tu as débordé dans ta dimension de nuisance. Tu as gâché les foyers des gens. Tu as gâché les activités. Tu as volé les fils de Dieu. Les enfants de Dieu pleurent. Le sang de Naboth est en train de crier. Il y a des fois où Dieu se décide de vous communiquer dans tout votre camp. Tout votre camp, vous communiquez un démon, un esprit d'égarement. Éternel, communique à mes ennemis un esprit d'égarement. Que Dieu te bénisse, toi qui comprends ces choses. Que Dieu t'arrose, toi qui partages. Que Dieu te bénisse, toi qui commentes aussi. J'étais en train de parler et de dire à quelqu'un, ce Dieu-là n'a point changé. J'attends quelqu'un prophétiser là où il est, que tu élèves ta voix et que tu dises, Éternel Dieu, que tous ceux qui ont dérobé, qui ont violé les territoires, qui sont rentrés dans ma maison une nuit ou une journée pour dérober, Père, le sort qui arriva à Naboth puisse leur arriver aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sort que tu as réservé
âne, Akab et son camp, puisse également être leur partage. Nabi fan de la prière au 3 jours. Na moi onikiango. Na bupu onikiango. Na pourquoi ozongeliango. O kanisi na balabala ozotambula o beti prière na mutema. Que Dieu trouble. Qu'il trouble les camps de tes ennemis. Élève ta voix maintenant avant qu'on continue. Que tu commences à prier. Que tu dises à Dieu, si je suis en alliance avec toi, si effectivement l'œuvre de Golgotha m'a fait rentrer dans une alliance de père et fils, père et fille, papa, agis maintenant. Agis au Père et interviens. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai du mal à reconnaître l'auditoire que je parle. Est-ce que je parle au camp de Naboth ou bien je suis en train de parler au camp d'Akab et de Jézabel? Des questions dans ce tunasiko. Est-ce que maman Kamona zote ya oh, yo zala parmi batou baki no sala batou ma be? Tous à côté bateau yo. Bazala victime le col en abote. J'aimerais que tu élèves ta voix maintenant et que tu dises à Dieu. Je t'ai vu, l'homme de Dieu nous a parlé de l'alliance entre toi et Abraham. Abraham koutna katia lissoum, ok défendre, pas une fois, deux fois. Moïse n'a qu'à une erreur. Il a couché avec la femme éthiopienne. Tu l'as défendu à cause de l'alliance. Moi, je ne suis pas dans le camp, dans ce cas-là. Je suis innocent aujourd'hui. Je n'ai pas médité le mal contre quelqu'un. Mais cette personne qui vient, 1, 2, 3, 4, il ouvre, défonce, il entre à mon insu, dans ma maison. Et aussi, mais le nzambe, a mérité qu'il m'y atteigne. Jamais. Ou quand même juste et juge. Cet homme fort de la famille qui quitte le village, qui quitte la ville où il habite, aïe boutou boutou, mari de Nuro, ben, il s'installe dans ta maison, il commence à voler, à détruire, à dérober les promesses que tu as héritées de Dieu. Et Dieu reste comme ça, les mains croisées. Ah, Nzamanga koufa toi zanabomo. J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu parles à Dieu, que tu pries avec moi. Que tu dises à Dieu des choses, mon frère. C'est le temps de la prière. Ce que vous avez dit, ce que tu as dit, que tu dises à Dieu, c'est le temps maintenant pour toi de t'élever dans ma vie. Il est grand temps maintenant de te souvenir de mon alliance avec toi ou de ton alliance avec moi. Dieu d'Abraham, où es-tu? Quelqu'un me dira, papa, mais eux également, ils ont des protections, ils ont des trucs. Bien aimé, attention. Et ça n'a pas tant haut comme la dimension. On va en parler juste après ce sujet de prière. Pour le moment, prions d'abord, disons à Dieu. Tu es le Dieu des orphelins. Tu es le Dieu des orphelins. Tu es le Dieu des étrangers. Tu es le Dieu des serviteurs et des servantes. Tu es le Dieu de tes fils et de tes filles. Je ne sais pas dans quel type d'alliance tu es avec Dieu. Il y a de ceux-là qui sont dans 3 dimensions. 2 dimensions, 1 dimension. Ceux qui sont basés sur des autels. Chacun connaît à quelle dimension il se retrouve. Mais du moins, si tu es une fille d'alliance, un fils d'alliance avec Dieu, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu demandes à ton Dieu de s'élever. Tu diras à l'Éternel, tendre Père, lève-toi maintenant. Yahweh, Telemasikoyo,
Obanda Moussala Nayo. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Prie, parle à Dieu. Invite le Dieu très haut. Invite le Dieu tout-puissant. Demande à l'Éternel. Yahweh, lève-toi. Yahweh, intervient. Yahweh, agit. Yahweh, opère. Prions tous ensemble au nom du Seigneur. Alléluia. Éternel, le Dieu des armées, le Dieu des esprits des prophètes. Bien-aimé, personne ne priera pour toi. Moi, je ne connais pas ton alliance avec Dieu. Je parle à une fille d'alliance. Je parle à un fils d'alliance. Yom tu m'as côté na domaine héritage na yo. Ce que tu as hérité, ce n'est pas pour toi. Dieu t'a donné, tu es héritier de quelque chose. Mais qui est venu voler ton héritage? J'aimerais que tu pries, que tu dises, le Dieu de Naboth, ne permets pas que je meure pour que tu me venges après. Et ta pointe, c'est le cas. Niveau yaba abel, ba koufa ka semanzamba ya kwa take kayen yangotin. Nous, nous sommes des non-vivants. De notre vivant, nous voulons vivre les dieux de la justice. Et Dieu qui dit, je suis votre avocat auprès du Père. Avocat qui nous défendre des médecins. Avocat, c'est un client. Client, c'est un bongo. Puis c'est toi qui adorer Nzambe. Tu es un servir. Puis c'est un avocat. Tu vas dire à Dieu, en tant qu'un adorateur, en tant que ton fils, en tant que ta fille, en tant que ton compagnon d'œuvre. Lève-toi comme les justes juges. Lève-toi dans ma situation. Lève-toi et tranche l'affaire. Regarde Akab qui se prend pour un homme fort. Où es-tu, Seigneur? Télémisanzambe na bitumba na yo. Télémisanzambe na ba ma traitement basa ko traiter yo na ba méchant. Télémisanzambe na lola nzamba bomo ya mimoni sasikoyo na dimension juste juge na dimension Jehovah Tchidkenu. Prie que le bon Dieu s'élève également pour contempler la manière dont tu es traité, pour vérifier et voir, contempler de ses yeux combien Akab est en train de dérober la vigne d'autrui en détruisant et en mettant fin à la vie du propriétaire. Le juste juge n'est point mort. Il n'est pas mort, il est vivant. Il n'est point, il n'appartient point au passé. Il est présent et il n'a point changé dans la façon d'agir. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu l'invoques de tout cœur. La Bible dit, quand le malheureux crie, l'Éternel Dieu entend. Et une malédiction sans cause, elle est sans effet. Mais s'il y a une cause, tu vas élever ta voix pour prier. Prie avec moi. Et demande à Dieu, Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Lève-toi comme le juste juge. Dans la vie d'un papa, dans la vie d'une maman, dans la vie d'un bien-aimé qui se retrouve aujourd'hui maltraité par Akab. Lève-toi dans la vie de quiconque et rentre, Seigneur, dans un foyer pour détruire la vigne. Pour dérober et arracher la vigne. Je ne sais pas, on t'a ravi quoi. À certains, c'est leur honneur. On t'accuse sans cause, sans preuve. Tu es sur le point de perdre ton foyer. Ton mari est sur le point de t'abandonner. Ta femme est sur le point de te quitter. Tes enfants sont remplis de honte et d'humiliation à cause de fausses accusations. Tu vas prier pour dire à Dieu, Père éternel, lève-toi. Qui t'a volé ton travail? Qui t'a volé ton étoile? Qui est en train de te ravir tes finances? Qui te vole ta joie? Tu promènes des regards inquiets tous les jours. Que toute personne qui est rentrée dans ta vigne, toi orphelin, toi serviteur, toi servante, prie. Nzamba vengeance azalaka. Je me souviens de la prière de Samson qui dit, Seigneur, venge-moi. Ne fût-ce qu'une fois, venge-moi. Occupe-toi de ceux à cause des yeux qui m'ont crevé. Seigneur, ne me laisse pas. Souviens-toi de moi et venge-moi. Des prières aux Osalasiko. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu pries. Que tu dises à Dieu, Seigneur, lève-toi en tant que Jehovah Tchidkenu, le Dieu de la justice. Nalikambo yanga na beleliyo
Osambelina Kombona et Soaleloya, éternel et Dieu Tout-Puissant. Papa, nous nous agenouillons devant ton trône. Nous nous prosternons, Seigneur. La prière élevée de mon cœur. Que tu t'élèves maintenant. Comme nous nous sommes agenouillés, je te prie que tu t'élèves. Lève-toi dans la direction d'un papa, dans la direction d'une maman, dans la direction d'une association de méchants qui se sont décidés de rentrer dans la vigne des faibles, dans la vigne de Naboth. Naboth est un homme faible, un enfant sans père, un enfant sans maman. Il était seul en train de gérer l'héritage. Yahweh, tes enfants aujourd'hui sont comme des brebis, disent les Saintes Écritures. Dans la vie, dans ce monde où règne des loups ravisseurs, où règne des occultistes et des marabouts, où règne des devins, où règne des méchants, des assassins, des braqueurs, des malfaiteurs, Père éternel, où es-tu, Yahweh? Nous te prions de t'élever et de localiser toute femme faible, tout homme faible, mais qui est en alliance avec toi. Ça peut être un orphelin, ça peut être une veuve, ça peut être un serviteur de Dieu, ça peut être une servante de Dieu, ça peut être ta fille ou ton fils, ça peut être quelqu'un avec qui tu as développé une alliance, mais qui se retrouve maintenant en train de subir la même chose que Naboth. Yahweh, nous t'invoquons. Tu as dit dans ta parole, quand le malheureux crie, toi tu entends du haut de ton trône. Nous t'invoquons, Yahweh. Entends la prière de tes fils. Entends la prière de tes filles. Entends la prière de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yokalo sambo nzambe na bomo. Yokalo sambo yande kumo bali pende kumwas. Que toute personne qui se sent faible, mais qui est en alliance avec toi, Yahweh, nous te prions de t'entendre ses pleurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, écoutez, nous avançons. Nous sommes déjà dans la dimension de la prière. Souvenez-vous d'Abraham. Il s'est retrouvé dans les mêmes conditions que toi. Physiquement, comme ça, il n'a pas d'armée. C'est Pharaon, l'homme fort. Il s'est retrouvé en Égypte, sur une terre étrangère. Éloigné des parents, il est faible. Première dimension d'alliance, il est dans le filet ou dans les lots des étrangers. Or, la Bible dit, Dieu est d'abord avant tout un Dieu des étrangers. J'ai été au Gabon, juste pour une journée. Il y a un adage là-bas, un slogan, les Gabons aux Gabonais. Les fils du pays d'abord. Je ne sais pas si je me suis trompé, mais du moins ceux qui sont là-bas, ils connaissent que c'est comme ça. J'étais vers Ngongo là-bas. C'est Nyeng, c'est Ngongo, quelque chose comme ça. J'ai entendu ça. Très fier de leur pays. Les Gabons aux Gabonais d'abord. Tu as un problème avec un fils du pays, Yebela, hein, Yebelango. On ne blague pas. Ma soeur et mon frère, Abraham est dans sa première dimension d'alliance. Il est faible comme étranger. Déjà, Nzamba talie la liche. L'œil de Dieu était sur lui. Par rapport à cette première dimension. Mais il n'est pas seulement comme étranger, double brassard, il est encore prophète de l'Éternel. Hé, maman Nangaï. Moi, si je suis au Kinderozo, moi, c'est en Ghana. Il y a Nanye. Nerotambola, église après église, au Ketinabanganga, Botelim Sanganzoto, Nzote Lemba. Permettez-moi le terme. À quel âge? Même pas 50 ans. Même pas 60 ans. Alors que les grands-pères sont encore forts.
Ils gardent encore leur lit chaud. Mais toi, le lit est glacé. Tu as récupéré la femme de qui? Sotolingara, ma femme mariée. Sotolingara, Bassia, ma balle. Eh, Bamba qui parmi Bali bien. Ah! Au passé, elle a été acquittée. Double brassard, prophète de Dieu et étranger. Ne poula ma bé pharaon qui recueille. Éternel, communique à mes ennemis un esprit d'égarement. La Bible dit, la première nuit, il était à l'aise, la deuxième, il était à l'aise. Mais le jour où Dieu est venu avec une épée, Pharaon a gagné la pongi. Nini, ben n'a pas zola la na kimia yo la les sous pongi te. Y'a quoi? Y'a quoi? Insomnie totale. L'ange de l'Éternel lui apparut pour lui faire des menaces. Kendo lobananzambe menace mes ennemis cette nuit. Comprendra tes surménages. Tu es tombé sur un mauvais terrain, Yaya. Répands-toi et abandonne cette voie-là. J'aimerais que tu élèves ta voix pour dire à Dieu. Le Dieu d'Abraham, tu n'as point changé. Dieu d'Abraham, tu n'as point changé. Tu es allé avec qui? Tu as mis la main dans quelle parcelle, dans quel foyer, dans quelle entreprise? Et ça n'a pas si. Comment on débat ça? Au baby, ça va finir par monter au bout mondial. Les autres vont voler dans des parcelles des privés, des particuliers. Mais toi, tu vas voler où? Comme Géasi, dans l'église, Yaya. Les gens vont pour adorer le Seigneur. Toi, tu as les yeux braqués sur le piano. Clavier, on n'en a que béton. On a béton, on a 2 700 $. Alors, dès qu'on a encore pétrole, je peux retrouver combien? Même 1 500. Ça va m'aider pour une journée. Je vais me dire à Malangaï. Je vais me dire à Malangaï. Hé, Yaya. Tu mets ta vie en danger. Le pain, moi, Yesu. Le pain, en Zambé. Oh, Yesu, il faut la peine à chicote. Il y a un mena sabbat. Tu vas prier pour dire à Dieu que la justice soit faite. De même que tu défendu la cause d'Abraham, menace également les violeurs des territoires. Ceux qui sont en train de violer les territoires, Seigneur, menace-les aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tombe la voix na yo bandako sambela bandako senga justice en Nzambe bandako senga jugement en Nzambe bandako sambela na kombo na Yesu alléluia. Élève ta voix et prie, demande à Dieu. Le Dieu d'Abraham, tu n'as point changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi nous t'invoquons, nous te prions Yahweh de t'élever maintenant dans ta dimension de juste juge. Regarde Pharaon qui a récupéré la femme d'autrui, qui a récupéré les activités d'autrui, qui a récupéré les finances d'autrui, qui a récupéré les moyens d'autrui, qui a récupéré le matériel d'autrui. Père éternel, nous te prions de t'élever, nous te prions de t'élever, nous te prions de t'élever dans le nom de Jésus. Seigneur, occupe-toi de tout Pharaon qui récupère ce qui n'est pas à lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Azanga kimia na santé naye, naba pongi naye trouble. Qui m'y a la vie na yez à la dé, moralement, psychologiquement. Trouble kota tina katyanda kunaye, mon lilies à la partage, ya bana na ye, ya mon bal na ye, ya moi si na ye. Trouble total. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le jugement de Dieu.
menace ceux qui veulent dérober, ceux qui veulent humilier, ceux qui veulent gâcher la vie de tes enfants, la vie des étrangers, la vie des fils et des filles de Dieu avec qui vous êtes en alliance. Pèse de ton poids, Seigneur, et qu'ils sachent que tu es un Dieu capable aussi de frapper quand il s'agit des fils et des filles avec qui vous êtes en alliance. Souviens-toi de l'œuvre de Golgotha. Souviens-toi de l'alliance du sang que tu as versé pour moi. Tu m'as racheté à un grand prix. Je suis ton fils. Je suis ta fille. Souviens-toi de l'alliance du ministère et du sacerdoce. Tu m'as appelé, tu m'as établi. Souviens-toi de cette alliance, cette nuit. Et occupe-toi de tout un chacun. Souviens-toi de l'alliance de ta fille qui a consacré sa vie à toi depuis des mois, des jours et des années. Elle est chaste aujourd'hui. Elle a fait ciseaux toute une longue période de sa vie. Elle espère en ta bonté. Voilà combien on la traite. Voilà combien l'ennemi, à cause de sa force, de sa puissance, de ses moyens, comment est-ce que tes enfants sont traités? Nous te prions de t'élever comme les justes juges. Nous prions avec tout nos cœurs, avec nos âmes et nos pensées. Nous prions également avec les yeux de la foi. Nous savons que tu n'as point changé. Hier, tu as fait justice. Maintenant, commence à faire justice. Que nul n'échappe au châtiment à partir de cette nuit. Nul n'échappe au châtiment. Kotika mokote nzambe, pharaon nyonso na ba famille. Pharaon nyonso na belle famille. Que tout pharaon de famille ou de belle famille, que tout pharaon du quartier ou du secteur dans lequel tes enfants habitent, tout pharaon dans des universités, dans des écoles, dans des églises, que tout pharaon soit localisé et poursuivi par le ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous parle de Naboth. Traité comme il a été traité. Et c'est Akab maintenant qui commence à subir. Akab pensant que cette conviction venait de Dieu. J'irai, j'abattrai Madian. J'abattrai plutôt Ramoth en Galate. Comme un seul homme. Voilà que mes frères et sœurs, il est allé voulant annexer un petit pays de rien du tout. Mais c'était pour sa mort. Qu'est-ce qui a fait que Akab puisse mourir comme ça? Dieu l'a entêté. Dieu lui avait envoyé un mauvais sort qu'on appelle l'esprit d'égarement. Un mauvais sort, mes amis, que nous appelons par l'égarement. Un esprit d'erreur. Tika ba enemia vinayo, baba na rozana ba posa mouboye. Aho kansarazo bi ma vre yanken, zo kande a zo kende komi teka malembe ba kangay. Que les ennemis de ta vie commettent de plus amples dégâts, de plus forts dégâts, mais que ça soit loin de la situation qu'ils ont contre toi. Ça dit quoi? Vous avez un conflit. Il te cherche des conflits. Toi, tu l'évites. Mais Dieu permet qu'il aille susciter un autre conflit où il sera coupable. Et il tombe dans le filet. Naoyayo. Yeko bimambala mon apoise. Dieu est capable de le faire. De sorte que ça ne soit pas toi la cause. Soumana, Dieu le fait, mes amis. Quelqu'un te combat. Toi, tu ne prononces aucune parole de malédiction sur lui. Ake. Mais kota kekuna. Nzamba keche esprit d'égarement. S'il était voleur, a commis vraiment yibi de souche.
S'il était impudique, il devient encore impudique. C'est pourquoi vous remarquez certaines personnes, papa, on ne comprend pas. Le frère en question, il était un bon frère. Il craignait Dieu, papa. Ah, notre pasteur, il craignait Dieu. Nous avons rendu pasteur, on a quoi dans moi si mon roboy. La Bible dit, c'est lui qui s'attache à une prostituée, devient une seule chair avec elle. Toutes les femmes que vous rencontrez en cours de route ne sont pas des bonnes femmes. Il y a également celles qui sont des missionnaires, envoyées depuis le monde des ténèbres, fraîchement depuis le monde des eaux, fraîchement depuis l'enfer, et la mission. Je suis pas en train de me moquer, mais c'est des réalités, des tristes réalités qui font mal quand les héros tombent comme ça. Vous avez ma réponse, il y a ma question, mais tout n'aura pas. Je comprends pas vraiment parce que c'est le bac moyen temps, moyen tété, dadi à quoi y a qui n'a mine. Mais ça n'a mais ça n'a qu'au fiacou la basseur, mais ça n'a qu'au récupérer basseur, mais ça n'a qu'au salaba vanti. À quel coup est-ce qu'on a? Il est lombé. Il est mis dans le Seigneur. A que quoi y en a piège à moi si en ganga? Moi si en ganga en zambé. A que quoi y en a piège à moi si y en ganga en moukili, marabou? A que quoi y en a ma boko, y en a ma kolo y en a ni? Y a des lilas. Tout ça c'est dans la Bible. Samson s'est retrouvé en train de pleurer, les yeux crevés et les mains enchaînées. Papa qui s'arraillait. Kokenena chamba Philistinte. Bisona bonteux qu'on a raté. Il n'a pas écouté ses parents. Homme de Dieu, tu me suis. Tu as fait déjà beaucoup de dégâts, beaucoup d'erreurs. Il y a un temps où tu peux tomber. Mais quand tu te relèves, ne tombe plus. C'est sans cela qu'on reconnaît un véritable fils de Dieu, un véritable disciple du Seigneur. Vous êtes soudain, dans le cas de la vie, vous avez quoi aujourd'hui? Mais prochainement, vous avez dit, on a quoi de ce soir? Ressaisis-toi, mais ne reste, ça, n'en fais pas un monde de vie. Sinon, Dieu va te livrer comme on avait livré Samson. On a dit, Monsieur Toboki, Abanjo Lela, n'a ma foutu à l'icolonaïe, avec la capacité d'opérer des miracles, mais en train de pleurer parce qu'on lui a crevé les yeux. Que Dieu nous aide. Et Yokani, au pasteur qui a la terre, il dit, Yambo Nazote. Na delila ne monsieur Toboki, j'aimerais que tu élèves ta voix pour prier et dire à Dieu, occupe-toi de ce genre de personnes dans ma vie. Ndeko mona mutoza malade uzoluka solution malade solution mona narate. Partout tu vas, tu ne guéris pas de ta maladie. Tu souffres d'un problème très sérieux. Même à l'hôpital, on devait soigner. Maladie au moins dans la tête, mais tu souffres. Tu vas prier pour dire à Dieu. Si tu es dans le cas, dans le lot, mais tu t'es ressaisi par cette parole, répands-toi. Je ne viens pas te condamner. Mais comme nous sommes dans la dimension de prier pour que Dieu communique l'égarement à nos ennemis, ce n'est pas au genre de personnes comme toi. Toi qui acceptes de te repentir aujourd'hui. Toi, Dieu peut te classer dans le lot des geôliers qui dirent à Pierre, qui posaient la question à Pierre, « Cher frère, et maintenant, qu'allons-nous faire ?» Il y a de la place pour ceux qui veulent se repentir. Mais pour des têtus qui ne veulent pas du tout, qui veulent s'empirer dans le mal, Dieu va leur communiquer l'égarement.
ne comprenons pas. Depuis à côté qui n'oumba, Dadi a changé de ressource. Depuis à côté qui va venir à Milangwa, Dadi a comme plus que cela. Même avec l'odeur de la bière, il est en train de prêcher. D'ailleurs, pour qu'il se sente à l'aise, il faut qu'il soit sourd. L'évangile à Kalawana, l'évangile à ma père, c'est bien que ça soit démodé, mais du moins c'est la vérité. Nous préférons être dans l'évangile démodé là. On préfère demeurer là-bas. Mon frère et ma soeur, tu vas prier. Donc, Yom te met à ma soeur, ma compréhension a changé. Papa ne peut pas se laisser boiter comme un escroqué. Pasteur, quand la cala, c'est que vous pensez à mon bouya fan de sang ouais, aussi matin. Mais allez le, nga ko tout est bilo kana nzambe. Pardon. Kango langa na bilo koyo, kango langa ina bilo koana. Kango langa na basolo aboye, nzambe zala musika. C'est des prières que nous faisons tous les jours. Sinon, nous ne sommes pas différents. Oui, comme la rabani ngi ubé ou comme la yo. Mais nous demandons tous les jours, nous avons des batailles, nous sommes à péter. Mon témoin est à Roulemba. Épargne-moi de cela. Tout fin de la Rawan. Quand vous priez, dites préserve-nous du malin. Ne nous induis pas en tentation. Préserve-nous du malin. Et si nous sommes déjà dedans, délivre-nous. Donc je te donne l'occasion de te repentir. Les coordonnées téléphoniques, vous allez voir affichées à la fin de cette séance. Appelez-nous, on va vous aider par des conseils, mais aussi par des prières. Que vous soyez frère, sœur en Christ, pasteur, apôtre, évangéliste, on peut s'aider. Nous sommes dans le corps du Christ. Donc, loin de là, l'esprit de vous condamner. Mais je vous parle de l'égarer. Quand vous vous enfoncez dans le mal, comme Akab, il savait que c'est mauvais. C'est pourquoi il était rentré en pleurant. Mais le lendemain, il va. Il s'enfonce dans le pire sous l'influence de je ne sais quoi ou bien de Isabelle. Il va tuer l'enfant d'autrui. Nzambe s'est décidé de lui communiquer l'esprit d'égarement. Donc c'est un vent que nous allons demander à Dieu que ce vent localise des personnes capables d'être localisées. Des personnes qui se comportent comme Akab. Ceux qui violent sciemment les territoires. Nanko. Non, ça la bouina ko. Aïe, bien, non, ça la mabé, manzo, ça la kak. Nzambe, bakouta nana yo. Que personne n'échappe à ton châtiment. Pardon, Seigneur, lève-toi et traite-le comme tu traitas Akab devant Naboth. Est-ce que tu peux faire cette prière? Que tu dises à Dieu, tu les connais. Tu le vois la nuit ce qu'ils font. Tu le vois les jours. Tu le vois dans des réunions cachées, réunions secrètes. Tu entends ce qu'ils causent sur mon téléphone. Occupe-toi d'eux. Que nul n'échappe. Nzambe le baba katsarama. Bakatsarama baba balabalate. Nzambe le baba kotarami tukate. Bazo avionte. Ce baro lala na boutou. Boutou. Et là que la bango mabe. Et la mingaï, la nuit qui est paisible pour tous, mais que cette nuit devienne nuisible à ces gens. Trouble-les dans toutes leurs voies, dans tous les domaines de la vie. Celui qui veut prendre ta place dans ma vie. Yon de commande l'imitation à ma jour, la suite. L'imitation à ma moi. Que toute personne a décidé la place. Il y a un bon maraba Naboth. Yonde. Mokolo Mokili. Ah, que Dieu s'occupe de la personne. Père, que personne n'échappe. Banda ko sakola. Ozolo bananzam. Ceux qui viennent la nuit, tout comme le jour, occupe-toi d'eux. Tous ceux qui complotent pour nuire à Naboth. À cause de son héritage, papa, livre-le en spectacle. Baso ba décision. Ba s'enfoncer dans ma baie. La Bible dit Dieu a communiqué un esprit d'erreur dans le camp d'Akab. Il se réveille lui-même déjà frappé par l'égarement.
il prend une décision qui va les tuer, mais lui pense que c'est pour le bonheur du royaume, il va conquérir un territoire. L'espérance trompeuse. Non seulement il a pris cette conviction, il se décide d'agir, mais il convoque les prophètes. Au lieu que les prophètes voient des choses vraies, les prophètes viennent encore l'enfoncer dans l'égarement. Roi, nous voyons que le chemin est bon. Ndekonara loba na nzambe, ba voyons soba kozwa. Ezala ba conviction ya ba mumoko. Ezala ba ninga, ba pousser ba pendant na berer. Ba sala berer ba comprendre que ça erreur, mais les résultats étaient tels qu'il était réellement c'était l'égarement qui venait de la part de l'Éternel. Bien-aimé, le prophète Michée arrive pour lui dire: papa, Dieu m'a montré, il y avait une réunion qui se faisait et Dieu a convoqué les démons. Les prophètes là en qui tu places confiance, c'est des esprits d'erreur. Ndekonara a yo kinga passé à la zone ya boy. Ah! Des aventures ya pam pam. Ils ont côté ils ont bim. C'est comme ça que ça se passe quand vous êtes dans l'égarement. L'un des symptômes, je vais rapidement, c'est ce genre de comportement. Quand tu deviens insensible aux conseils, quand on te dit la vérité, ne fais pas ça, mais tu t'entêtes. Quand on te prévient par Dieu, mais tu t'enfonces. C'est comme Caïn, il était égaré. Dieu lui dit: petit, ok, si ma montre, ne fais pas le mal. Garde ton calme. Tu peux changer demain. Bien aimé, Caïn a dit à comme écoute Benobela: hé, suis-je le gardien de mon frère? Toi, tu m'as établi gardien ici, là. Hé, d'ailleurs. Nous avons un peu de gang là-bas. C'est pour très peu de temps. Quand Dieu exerce son jugement, bien-aimé, nul ne peut s'y opposer. Il y a un Dieu quelque part, le Dieu de la justice. Jure yindela ki kaye, arongo senga liwa. Bomanga kakanzambe chatimele ki makasi. Bomanga kakanzambe chatimele ki makasi. J'aimerais que tu fasses cette prière, que tu dises à Dieu qu'il n'échappe pas, Seigneur, ni la nuit ni les jours, que personne n'échappe. Au nom de Jésus-Christ, nabisika nabango misala, trouble, naba santé nabango, trouble, naba foyer nabango, trouble, naba relation amoureuse nabango, trouble, naba voyons sur ma commerce, trouble, même dans l'église, ben, ressemble là, qu'il soit troublé, élève ta voix, ce n'est pas moi qui te l'ai dit, mais Galates 5, 10 dit ceci: celui qui trouble Israël sera troublé. Élève ta voix, commence à demander le jugement de Dieu. Père éternel, lève-toi et commence à troubler tous ceux qui troublent tes enfants. Au nom puissant de Jésus, tendre Père, nous t'invoquons. Nous te prions maintenant de t'élever et de commencer à troubler tous ceux qui troublent Israël. Et celui qui vous trouble, c'est ce que la Bible déclare. Quel qu'il soit, il emportera la peine. J'ai vu dans le camp d'Israël à quand s'élever pour troubler les camps de Dieu. Mais la Bible déclare: Dieu Tout-Puissant, tu les troubles. C'est pourquoi je te demande que tout celui qui est rentré par viol, par force, pour détruire l'héritage que tu nous as donné, les promesses que tu nous as faites, la destinée que tu as donnée à tout un chacun de tes enfants, que ça soit son frère d'origine, de biologique, ça soit sa mère, son père ou son beau-père, le beau-frère ou la belle-fille, les fils ou le parent qui s'est levé, mon rédempteur, pour violer des territoires. Seigneur, qu'il soit jugé. Lève-toi comme le juste juge. Occupe-toi de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'invoquons maintenant que tu t'élèves comme le défenseur de Naboth, que tu t'élèves comme le défenseur, oh Yahweh, de Samson, que tu t'élèves comme le défenseur de tes fils, le Dieu qui défendit Agar et Ismaël dans le désert. Nous t'invoquons cette nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi Yahweh, lève-toi Shiloh d'Israël, commence à t'occuper de chacun, que nul n'échappe à ton contrôle, que ça soit une fille, un jeune, un papa, une maman, dans toute leur voie. Que l'on sache qu'en Israël il y a un Dieu, que l'on sache que tes fils et tes filles prient un Dieu très haut, un Dieu puissant, le Dieu Tout-Puissant. Déploie ton armée angélique. Que nul n'échappe. Père va échapper dans le contrôle na yote. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nul n'échappera.
à la poursuite de Dieu. J'annonce à quelqu'un, nul n'échappera, ni Naboth, ni plutôt Akab, ni Akab. Ni Delila, nul n'échappera. C'est à Samson de pleurer. Il va dire à Dieu, regarde, mes yeux sont crevés. Ce sont les yeux d'un homme. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été endommagé dans ta vie. Qu'est-ce que tu as perdu l'année passée ou cette année ou ce mois-ci? Qu'est-ce que les destructeurs de ta destinée ont créé comme dommage? Ça peut être ta santé, ta renommée, tes activités, ton travail, ton foyer, tes enfants, tes finances, tes biens. Que toute personne qui s'est levée pour te combattre et te détruire, que Dieu la détruise. Au nom de Jésus-Christ, Samson dit, regarde, ils m'ont crevé les yeux. Yahweh ne me laisse pas comme ça, venge-moi. Nzamba vengeance, Azalaka. Tu peux interpréter comme tu veux. Un pasteur qui prêche la haine, c'est comme un homme dans ma famille, qui dit un pasteur rancunier. Le monsieur en question, Er Corona et Bandara, Betara Moupepa Corona. Je lui ai rêvé la nuit. Aïepena a soufflé, foire mon peuple. Aki m'a lili dans l'auto physique, ma bouepe m'a lili. Fièvre bandine. On a couronné bandissique. Heureusement, moi, bitumba, ma technique, pas bitumba, mon lit, mon penza, ma pese, bison, mon dame. N'est au bandine, ma ramo, quoi, mon pega, na boutouan. Rakanda ya baba basakana, kura baba seke, ebede ya baba sa. Beta pena représailles et retour à l'expédité. Le lendemain, le matin, je me suis bien réveillé. Après quelques semaines, 3 semaines ou 4 semaines, un mois et demi, maman a mon pépé malade. Eh, on a bien la cala. Niti yango de. Je rentre à la maison comme ça. Je demande des congés au travail. 10 années banda. Je dis à mon épouse, ça c'est un combat qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est une semence qu'on avait semée depuis quelques 3 semaines et j'avais combattu déjà. Donc il est gagnant. Est-ce que vous comprenez, mes amis? On parlera encore des rêves et des songes dans les jours à venir. Heureusement, j'ai détruit les fers pendant qu'il était chaud. Mais ma pesango forme ya pam pam 19. Tu vois c'était combo. Pam 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 19. Mon ambition pena pam 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 91 91. Na balulon pena sens. Retour à l'envoyé. Bétara 3 jours, 4 jours. Dans un rang normal. Ni test, ni checking, ni quoi. Rien. Fandi namai. Milara baptisant dans la prière à moto, dans l'adoration. Et les cas. Natalara bouena. Posting na kat na Facebook. Pasteur rancunier. La bi ouais. Flèche d'Endi, c'est qu'elle a commandé à Moto Lumbe Lumba Molim. Faites attention après ces séances de prière. Toi, dans ton côté 10 jours, ne soyez pas étonné que des personnes puissent vous haïr sans cause. Comprendre que la mission haïr est ratée et avortée. Nous ne sommes pas tous les mêmes personnes. Sur cette terre. C'est par cette phrase que j'ai commencé mon introduction. Et c'est par la même phrase que nous l'achevons. Faites attention au genre de personnes que vous combattez dans la vie.
keba norfele le kola nabot a koi sa roi nzamba sunga biso tokumi na suka mission. Nous sommes à la fin de notre service de cette nuit. Je bénis votre famille. Je bénis vos activités. Je bénis vos voies. Je bénis votre commerce. Je bénis votre ministère. Je bénis votre foyer. Je bénis vos projets. Que la paix du Seigneur, la protection du Dieu Très-Haut, soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez tous bénis. Tu me donnes trois fois. Amen. Amen et Amen. Que le Dieu Très-Haut vous bénisse. Oui, mes amis, à la présentation de cette émission, c'était votre humble serviteur, l'homme de la continuité des actes des apôtres, le pasteur Patrick Alala, homme de Dieu. Vous voulez nous contacter? Le pasteur répond au plus 1 331 262 4903. Les coordonnées seront affiché pendant le générique à la fin de cette émission. Je répète, l'homme de Dieu répond au plus 1 331 262 4903. C'est donc par ces coordonnées téléphoniques que vous pouvez nous joindre. Portez-vous bien, daigne le Dieu très haut vous bénir et qui vous bénisse abondamment. Allez, bye bye, à la prochaine. Que mon Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas que nous sommes à notre troisième jour du programme des 10 jours. On va prier aujourd'hui à 15h30, heure des USA, ça fera 22h30, heure d'Europe et d'Afrique. On sera là. Si par 15h30, 16h30, ça dit 23h, on sera là. Pour la prière, ne ratez pas ce rendez-vous sur la page Facebook Patrick Alala, sur cette page Patrick Alala Ministry. Bye bye et à bientôt. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse richement. Inspiré pour vous en vue de votre épanouissement spirituel. Prières agressives de délivrance et de percée. À la présentation, Patrick Kalala, votre serviteur, l'homme de la continuité. Rejoignez-nous tous les jours ou contactez-nous au 001 331 262 49 03. Soyez bénis. Programme spécial inspiré pour vous en vue de votre épanouissement spirituel. Au programme, révélation, exhortation, prières agressives de délivrance et de percée. À la présentation, Patrick Kalala, votre serviteur, l'homme de la continuité. Rejoignez-nous tous les jours ou contactez-nous au 001 331 262 49 03. Soyez bénis. Émission Malamu ya Maloba na Nzambe na Nguya pona ko simba lobi na yo pona ko zoa biano malamu na bomoi na yo pona ko tatola elongi elongo na nkolo Yesu osali na Nzambe. Reverend Patrick Kalala amemeli bino émission kitoko o ezali émission ya Maloba na Nzambe ya matea ya Nguya pe ya mabondeli ya moto 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 oto bengi ba prière agressive pona ko récupérer oyayo lipamboli pona ko récupérer oyayo bomoi pona ko récupérer oyayo esengo pe kimia bongo pona ko contacte biso boy ko benga biso 001 331 262 49 03. Et pesa melibino na moko na basa na nzambe pase patikala la bolanda biso na boke binyoso mikolo nyoso nzambe apambola bino.